Et à Paris, Moetei Brodersson a interpellé le gouvernement central. Cette réforme concernerait plus de 10 000 fonctionnaires d'État en Polynésie. Tous devraient répondre à l'appel à la grève générale jeudi. Le député polynésien s'interroge sur la concertation en amont sur cette réforme, avec notamment les élus. On l'écoute, il est suivi du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Est-ce que le dossier qui a été transmis au Conseil d'État contient, comme on pourrait s'y attendre, une sérieuse étude d'impact sur les effets de cette réforme sur les Outre-mer? C'est ma première question. Et ma deuxième question, comme vous l'avez annoncé pour l'Hexagone, quelles sont les concertations préalables? Quel est le dialogue? Quelle est la discussion collégiale qui a eu lieu avec les corps intermédiaires, les exécutifs locaux et les élus? Je vous remercie. Il n'y a pas lieu spontanément de penser fonctionner différemment cette fois-ci. Il y a des échanges que vous aurez dans le cadre du Parlement et vous en serez présent et représentant de la Polynésie française au sein de l'Assemblée nationale française pour pouvoir modifier, si vous le souhaitez, amender le texte en espérant que les conditions d'examen du texte le permettent d'ailleurs. C'est là où le bas blesse. Parce qu'on a, depuis la réforme de 2003, un beau principe dans notre Constitution qui est celui de la spécificité législative, après tout. Je crois que les conditions sont différentes dans les Outre-mer et dans l'Hexagone et qu'il faut en tenir compte et il faut discuter, il faut dialoguer. Merci. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.